Batoul Thiep, donc directrice du campus de la réussite pour la ville de Grande-Synthe. Donc le forum aujourd'hui Start Orientation, qui est un forum monté en partenariat étroit entre la ville de Grande-Synthe et les équipes d'Entreprendre Ensemble, a pour objectif d'amener des jeunes scolaires, collégiens, lycéens, mais également des jeunes demandeurs d'emploi, à travailler sous une forme très innovante sur la réflexion de leur orientation professionnelle, orientation ou réorientation professionnelle. Donc la forme, elle a été entre guillemets également bien pensée, parce qu'on souhaite avoir quelque chose qui soit attractif pour les jeunes, et l'univers du jeu vidéo, ben, on l'a trouvé extrêmement attractif, et donc on a reconstitué dans ce grand jeu interactif, quatre univers au travers desquels les jeunes vont pouvoir travailler à un moment donné sur une connaissance d'eux-mêmes, sur des habiletés techniques, des habiletés sociales, des capacités à un moment donné à pouvoir travailler dans un domaine ou dans un autre. Donc bonjour, je me présente, Julien Debeauvais, j'occupe le poste de référent au département développement compétences. Donc c'est un des services d'Entreprendre Ensemble. On accompagne les demandeurs d'emploi à travers des tests d'aptitudes professionnelles qui permettent de mettre en avant les aptitudes professionnelles, les traits de personnalité des personnes pour pouvoir les orienter sur des secteurs d'activité qu'on appelle en tension sur le territoire. Et du coup, on crée aujourd'hui un test de service en salle pour diagnostiquer trois aptitudes, la mémorisation, la réactivité et la gestion des contraintes. Intéressant pour les jeunes surtout. Ça met des mots sur les choses qu'on peut ressentir et percevoir. Du coup, je trouve ça plutôt pas mal pour nous. Avec tous les participants, les organisateurs et les organisatrices, en fait, on se sent comme chez soi. Je trouve que c'est bien, qu'en gros, t'as pas le temps de t'ennuyer et en plus, t'as plusieurs activités, t'es jamais en gros attendre les autres. Sur le délire des jeux, tout ça, je trouve ça plutôt cool pour les gens qui veulent visiter un petit peu, découvrir des nouveaux programmes qui peuvent les aider à trouver leur voie. Je trouve ça bien.